s'il a sexo, il marie. Encore une fois, vous retrouvez place de la gare à 13 juillet. Vous prenez la place des feux d'artifice, vous prenez la place des pales populaires. Ouais, bah, on fait ce qu'on peut, en tous les cas. Mais c'est pas proche. Hein. On n'est peut-être pas aussi flamboyant que des feux d'artifice, ça c'est certain, mais on a le plaisir de pouvoir partager nos passions, c'est surtout ça. Oui, c'est pas votre passion, c'est vos passions, parce que chez François Delporte, il y a plusieurs passions. Il y a le cheval, il y a la culture bio, il y a l'agriculture, il y a la musique. Ouais, Qu'est-ce qui vous plaît plus? C'est étrange comme ça dans la vie. Moi, ce qui me plaît plus, c'est le travail. Oui. J'aime travailler. Là, c'est pas travailler, là, c'est amuser, là. Non, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Quand on voit comme ça, effectivement, ça donne une impression d'amusement. Mais c'est beaucoup de travail. Moi, ce qui m'anime vraiment, c'est le travail. Et en fait, j'aime me passionner de beaucoup de choses. Et j'aime investir du travail dans mes passions. La musique, ça remonte à longtemps. La musique. Depuis que je suis gamin, j'ai eu un harmonica quand j'étais gamin. On a trouvé un harmonica dans un déménagement d'une de mes grand-mères qui est décédée. On a trouvé un harmonica dans les affaires qui traînaient. Et j'ai eu cet harmonica-là quand j'étais petit. Puis après, les chansons du centre aéré, tout ça. J'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé... Tu sauras, tu dis quel morceau vous allez jouer ou chanter. Ben, moi je joue un peu de tout en français, principalement en anglais, et puis aussi un peu en espagnol, parce que j'ai eu la chance de faire des études en Espagne, donc il y a des auteurs qui écrivent des chansons en espagnol qui m'ont beaucoup plu, et donc je rejoue leurs chansons aussi. Mais ma langue de cœur, c'est la langue française. Et le Picard. Et le Picard. Ouais, bah alors les chansons au Picard, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, on est de Piquigny. Moi, ce soir, vous nous préparez ce concert, ce spectacle? Ouais, c'est du travail, on s'imagine pas. On se dit, il vient, il arrive, il pose ses guêtres. Mais non, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, c'est des heures de répétition. Là, très honnêtement, moi je suis très pris par mon travail de maraîcher. C'est un travail qui je suis père de famille, j'ai des enfants. Donc là, de me dégager du temps pour pouvoir travailler ça, c'est une difficulté parce qu'il faut se donner la peine de trouver du temps. Et il s'avère que là, par exemple, pour un concert comme ça, il y a au moins une vingtaine d'heures de travail en amont. C'est pour ça que le jour, on était chez vous pour rendre visite. Mais moi j'étais dans les champs à cette heure-là. J'étais pas en train de répéter. Le monde du cheval, toujours présent. Ah oui, nous on fait toujours de l'élevage. Moi j'ai deux étalons que je fais reproduire tous les ans. J'ai des clients qui viennent faire des saillies. On a un étalon portugais, un étalon Camargue avec lesquels on fait des saillies. Puis on fait toujours de l'enseignement. C'est vraiment une passion aussi pour nous de transmettre notre savoir. Et par contre, effectivement, on a arrêté l'activité de centre équestre parce que on ne se retrouvait plus dans ce modèle-là. Ça devenait pourquoi? Ça devenait trop sportif, non? Non, c'est surtout que c'est plus philosophique. On se voyait plus d'être dans une exploitation des animaux pour un plaisir humain qui n'était pas toujours justifiable. Le monde du cheval, vous connaissez bien, puisque vous m'avez dit une fois que vous êtes allé en Camargue. J'ai vécu en Camargue pendant un an, j'étais gardien, j'ai fait le travail de gardien. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas, en Camargue ? Eh bien, on apprend beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'ai surtout appris, si là, de but en blanc, vous me prenez un peu à court, mais... Moi, j'ai rien préparé, moi. ce que j'ai le plus appris en Camargue, c'est vraiment de me connecter avec la nature. Et par le biais de l'animal, du cheval, des taureaux, mais vraiment de me connecter avec la nature et puis notre condition humaine. Pour conclure, une comparaison entre le monde du cheval et le monde de la musique, il y en a un.
la sensibilité. La sensibilité, le fait de, d'écouter nos sens, mais en gardant l'œil sec, comme le disait nos grands compatriotes décédés. Je vous laisserai chercher la citation. Merci beaucoup. Continuez votre spectacle, il y a des gens qui attendent. Ouais, merci encore.